Pan 5. Je suis Eldoro Motivation, toujours dans la motivation, vous permettre de rester en bonne santé grâce aux bienfaits du sport et aussi grâce au développement intellectuel. Donc je suis là ce matin pour vous parler encore d'une fois du produit Eldoro. Eldoro ne l'a pas conçu, Eldoro ne l'a pas planté dans une plantation. Eldoro est un consommateur, Eldoro à travers ce que nous avons comme potentialité chez nous, Eldoro a eu l'idée ingénieuse à partir d'une fève de cacao de vous faire ce que nous appelons le cacao made in Côte d'Ivoire pur, à l'état pur, sans conservateur, sans graisse, sans sucre. C'est le cacao le plus naturel au monde. Il n'y a pas de conservateur. Il n'est pas séché au soleil. Il est séché, il est gardé à une température ambiante qui fait en sorte que ce cacao-là garde tous ses éléments nutritifs pour le corps. Tout ce que l'on a utilisé, vous le diront. Vous verrez les commentaires, ils vous le diront. Je vous incite à l'utiliser. Ce n'est pas quelque chose à titre lucratif, mais c'est pour vous faire partager des connaissances. Pourquoi? Parce que nous, en Afrique en général, on se dit que le cacao, c'est fait pour l'extérieur, c'est fait pour le blanc. Mais le cacao, c'est fait pour le corps humain, c'est fait pour notre santé. Consommons bio, consommons cacao, consommons ivoirien, et cela nous permettra d'être fort, de nous sentir à l'aise. Et regardez-moi travailler à l'aide de mon cacao. Ça fait peut-être 2 heures de temps que je suis en salle, en train de travailler grâce à ce cacao. Regardez les merveilles du cacao. Ok, cher ami internaute, encore une service of defense avec Yannick et Ben Lugensi, donc de la joie. Ça, c'est un coup très, très dangereux. N'essayez pas ça chez vous. Tant que vous n'êtes pas en compagnie, vous n'avez pas un moniteur de sport de combat ou un instructeur de sport de combat. C'est très dangereux parce que ça peut coûter la vie. La technique que nous avons vue, c'est la technique du tigre, appelé le hao. Le hao, c'est la technique du tigre, tout ce qui concerne les griffes. Vous avez vu, l'adversaire était au sol. Allez, la première technique, allez, l'attaque est venue d'abord avec un couteau. Vous voyez, et là, saisi, ramené, comme est, ok, repoussez. On la garde toujours. Et là, la technique du tigre encore, et la porte flottante. Là. Ensuite, là, tout là, devant, là. Cassez. La main rentre là, encore le tic, la gauche, là, balayage, la grosse, la main là, et toujours le tic, là, un, front là, et je quitte. La technique du tic, vous savez que nous, les humains, aussi, les animaux, se défendent en maîtrisant la technique, bien sûr. Sur ce, la prochaine fois, nous allons vous montrer la technique du singe, du serpent, mais du chat. Mais je suis sûr à retenir, le tigre prend ses défenses, sa défense, de l'intérieur vers l'extérieur, mais le chat prend sa défense, de l'extérieur vers l'intérieur. Sur ce, Eldoro, motivation. Eldoro, la force du mental. Eldoro, motivation.